Hey, salut tout le monde et bienvenue sur cette toute petite vidéo de la chaîne de Tibal. Aujourd'hui, on continue les différentes missions sur le jeu Medal of Honor, qui est sorti, je rappelle, sur PlayStation. Allez, c'est parti. Alors, je suppose. Merde. Oula, oula. Ok. Oula, on commence à s'inquiéter quand même. Oula, il est là. Trouver fichier technique. Trouver plan de la coque. Détruire les commandes d'ouverture. Localiser et monter à bord de l'U4901. Ok. Que tu te trouves. Munition pistolet. Headshot. Headshot. Voilà. Allez, balle dans la tête. Oh, même pas. Ça me fait croire que le casque, il a réussi à arrêter la balle. Plan de la coque trouvé. Détruire commande d'ouverture. Après, c'est sur PS1. Hein. C'est vrai que là, la qualité de l'intelligence artificielle n'est pas vraiment au top. Hein. Mais bon, c'est... Il a 20 ans le joueur quand même hein. Sans les Medal of Honor, je pense pas qu'on aurait eu tous les Call of et les Battlefield hein. C'est fait. Ah bah ouais. Allez. Voilà. Oh, même pas. Oh! Oh là là, et la balle a réussi à se fixer sur la barrière, quoi. Ah, je pense pas que c'est là qu'il fallait aller, mais bon. Oh, les trous noirs, quoi. Elle a tiré la moitié de mes balles à côté, quoi. Oula. Au coup, toi. Bonjour.
Oh, faudrait que j'en pète un la grenade quand même. Coucou. Et oui, strike, mesdames et messieurs. Je suppose que c'est par là. Voilà. Impeccable. Allez, nous voilà dans le sous-marin. Qu'est-ce que tu fais, toi? Hello, motherfucker. Coucou. Faire croire qu'il y a un mec qui leur braque à 50 mètres et il me voit pas, quoi. Really, nigga? Émettre coordonnées au service allié, bloquer gouvernation, plonger, détruire les commandes, ballaster pour refaire surface, trouver la sortie. La grenade, ça a pas dû faire du bien au jeu là. Hein. Allez, on continue dans le sous-marin. Oula! Allez. Ah. Ah là là là. Allez, c'est le moment de faire Terminator. Hasta la vista, baby. C'est pas ma guerre, mon colonel. Non mais c'est pas possible quoi, je suis un Stormtrooper quoi, je... vise tout à côté quoi. Alors, je crois que dans celui-là, il y a pas encore le fait de donner des coups de crosse ou des coups de poing quand il y a un ennemi qui est proche de nous. Ça va venir plus tard. Là. Coordonnées transmises. Impeccable. Allez, on continue. Oh là là, comment ça bug de... Oh. Ah là. Thank you.
Allez! Je me suis tué, quoi. La grenade m'est retombée dessus, s'il te plaît. On bat les couilles. Ça s'accroche dans les jeux. À chaque fois, il s'accroche au mur, quoi. Je sais pas pourquoi. Ok, gouvernail bloqué, détruire les commandes. Donc là, on est bien. Putain, mais c'est des clones, quoi, ces Allemands. Ils sont tous habillés pareil, tous la même tête. Tous la même arme. Sortie trouvée. Wow. Sortie trouvée. Détruire les commandes. Ah ouais. Ok, bon, c'est impeccable. Impeccable. Et sortie trouvée. Non. Oui. Voilà. Quiconque se trouvait à bord d'un bâtiment croisant dans les glaces de l'Atlantique Nord pendant la guerre était hanté par la crainte de ne jamais arriver à bon port. Des chantiers navals, tels que ceux de Dartmouth, produisirent des centaines de sous-marins destinés à opérer en groupe. Mais les Alliés firent front. Des avions affectaient la détection des sous-marins, traquaient sans répit le moindre périscope. Lorsqu'ils en trouvaient un, le résultat pouvait être radical. Ennemi ou allié, quelle atroce façon de mourir. Et ben voilà les gens, c'est déjà la fin de cette petite vidéo sur le jeu Medal of Honor. Alors c'était une vidéo tout à fait simple, hein. C'est vrai que j'ai fait que deux niveaux au final. Donc je vais recontinuer quand j'aurai un peu de temps, voilà. Bah écoutez, portez-vous bien, j'espère que vous passez tous une bonne journée. On se retrouve pour d'autres vidéos sur la chaîne de Tibal. Allez, salut à tous, ciao.